qu'il y a un peu plus de pression que d'habitude avant ce match? On est dans le même registre que contre Dijon. C'est quand on n'arrive pas à faire un exploit à l'extérieur, ça met la pression sur le match à domicile, obligatoirement. Vous aviez eu un regain de confiance après le match face à Dijon, vous mettez 3 buts. Là, ce match face à Marseille, où vous n'avez pas du tout la maîtrise du jeu, est-ce que ça a impacté un peu le groupe? Je pense pas, mais on est conscient que si on ne trouve pas la régularité, on va vivre une saison comme ça, faite de haut et de bas, avec un peu de pression sur le match à domicile. Le groupe n'est pas impacté du tout, malgré le fait que dans le retour sur le match, j'ai été sévère sur l'analyse, parce que on n'a pas respecté au mieux ce qu'on avait décidé avant et qu'on a joué timide. Donc si on ne se lâche pas dans la vie dans des matchs comme ça, on ne va pas y arriver. C'était un peu le même débrief qu'après le match de Lens, sur l'état d'esprit et tout ça, ou là c'est autre chose? Non, c'est l'entame de match qui a été... on avait dit il fallait faire au bloc pendant 15 minutes parce que Marseille allait essayer de pousser d'entrée. On a pris un but au bout de 4 minutes et un pénalty au bout de 10. Donc ça veut dire qu'on n'était pas bien dans le match. Parce que si Thauvin marque le pénalty, le match à 10 minutes de jeu, 2-0, c'est fini. C'est fini. Vous avez parlé du déchet technique durant cette rencontre. Ça avait déjà été le cas à plusieurs rencontres précédentes. Comment du coup on travaille ça? C'est des gammes à l'entraînement, c'est des exercices Vous l'avez vu ce matin. Hier, c'était que du travail au poste. C'est la répétition des gestes pour la confiance. Pour la confiance. Toute la semaine, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Et c'est vrai qu'à Marseille, il n'y avait pas que la technique. Parce que dans l'agressivité, dans la récupération du ballon, on mettait du temps à récupérer. Et dès qu'on l'a récupéré, on l'a perdu. Donc de nouveau, on courait à nouveau, quoi. Donc c'était ni l'un ni l'autre. Donc c'est, à part 2-3 éclairs et 2-3 rayons de soleil dans le match, il n'y avait pas grand-chose. Ce déchet technique est couplé à ce manque d'agressivité. Est-ce que ça vous surprend et est-ce que ça vous inquiète? Inquiété, non, parce qu'au bout de 48 heures, on fait un constat, on se dit, bon, il y a 2 mois et demi qu'on est là. Hein, il semblerait que ça fait 3 ans, mais il n'y a que 2 mois et demi qu'on est là. L'équipe avait ses travers d'inconstance. Donc on ne va pas avec les faits qui nous arrivent. Une semaine, on perd Koscielny. La semaine d'après, on perd Kalou. La semaine d'après, on récupère Ben Arfa. Ça reconstruit chaque fois le puzzle. C'est à zéro. Si vous perdez votre pilier de défense, si vous perdez le joueur que vous êtes arrivé à monter à un bon niveau et qui commence à vous marquer des buts, il va en sélection, il se claque. Bon, ça, c'est le... C'est le destin. Et ensuite, il y a l'arrivée d'Atem qui n'est pas encore au top physiquement. Chaque semaine, il faut reconstruire, il faut remettre les pions. Cette semaine, il s'est passé quoi? Comment? S'il y a eu un truc, il y a eu quelque chose de particulier cette semaine? Ben, on a travaillé l'animation offensive avec Atem qui avait fait 65 minutes à Marseille. Ça passe par là. Il nous faut un match où on réussisse notre animation offensive en gardant la solidité défensive. Benoît, c'est le football. Pardon. Benoît, à la fin du match contre Marseille, dit que contre Nîmes, voilà, vous retrouvez un peu votre championnat. C'est des mots qui sont forts quand même quand on est les Girondins de Bordeaux. Oui, c'est la déception. C'est la déception. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a 5-6 équipes qui vont lutter pour les places européennes. Et qu'après, après, il en reste 14 pour un deuxième championnat, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais dans la déception, moi j'ai compris ces paroles, j'ai compris. Vous parliez de l'animation autour d'Atem Ben Arfa.
Quels enseignements à ce niveau-là vous avez tiré du match de Marseille sur comment l'utiliser, dans quel système, avec quel joueur autour de lui C'est tout le travail. C'est tout le travail. Mais ça part d'un état d'esprit. Ça part d'un état d'esprit du groupe qui doit travailler à la perte du ballon. Peu importe sa position, on sait où il aime jouer et qu'il aime une certaine liberté. Si le groupe est d'accord avec ça, on va arriver à quelque chose. On va y arriver. Ça, j'en suis persuadé. Peu importe le système avec deux attaquants, avec trois attaquants, lui dessous, on va trouver la formule. On va la trouver, mais je vous dis, chaque semaine, il y a un élément majeur qui arrive et il faut repartir à zéro. Parler de la blessure de Laurent, c'est pas pareil sans lui au niveau de l'animation défensive. Qu'est-ce qui vous manque quand il n'est pas là? La sérénité. La sérénité parce que lui, il bonifie les gens. Paul joue avec lui, il est bon. Pablo joue avec lui après six mois d'indisponibilité. Il est bien. Et maintenant, parce que lui, il rassure. Il prend le ballon, il relance, il monte de la tête et il dirige. Il dirige la hauteur du bloc et c'est pas donné à tout le monde. C'est les gens qui sont au-dessus. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse sans lui peut-être encore un match. Et il faut que les autres fassent cet effort. Puisque avec Laurent, ils sont bons. Donc maintenant, il faut qu'ils arrivent en couple à être bons. Du coup, vous espérez, d'après ce que vous dites, le récupérer la semaine prochaine? J'espère, oui. Il a commencé le footing, l'échographie et encourageante, donc on espère que dans 3-4 jours avec le footing qui draine la blessure, on pourra envisager de le récupérer au milieu de la semaine prochaine, si tout se passe bien. Parce que quand il n'est pas là, est-ce que vous avez l'impression que votre équipe joue plus bas? Non, c'est pas une question de... Bien sûr que lui il gère la hauteur de la défense. Et il faut que Paul et Pablo soient en mesure de diriger ça. Voilà, peut-être c'était Marseille, peut-être qu'ils nous ont amené un petit peu plus bas, mais c'était un mauvais Bordeaux. Donc c'est pas ça le problème. On vous a vu longuement discuter avec Paul Bess là tout à l'heure à l'entraînement. Oui, c'est de ça que je parlais. D'accord. C'est de ça que je parlais, de la confiance de l'équipe, de l'équilibre de l'équipe, de notre animation offensive, même si je parle avec lui, parce qu'il faut que la relance soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise pour arriver à toucher le ou les joueurs majeurs et pour qu'on puisse respirer un peu mieux. Et si on relance et qu'on perd le ballon, que ce soit au milieu ou derrière, ou qu'on envoie des scuds devant, les attaquants ne sont pas mis dans les meilleures dispositions. C'est une bonne formule à trouver. Et donc, on attend un match où on fasse la différence comme ça. Quel regard vous portez sur votre adversaire du week-end? Ah, c'est une équipe qui joue tous les matchs à 100%. Voilà, on l'a vu dernièrement contre Paris. Bien sûr, le rouge a faussé le match, mais ils avaient fait une entame de match où ils étaient partis pour les secouer. C'est la région, c'est le stade, c'est la corrida, c'est tout. Mais c'est vrai, c'est tout ça. On sait qu'ils ne nous donneront rien. C'est une équipe qui est agressive. Ils ont gagné le match qui leur donne confiance, c'est-à-dire à Montpellier. Parce que gagner le derby, pour eux, c'est comme Marseille qui va gagner à Paris. C'est un peu le même style au niveau de la confiance. C'est bon pour toute la saison. Donc c'est une équipe qui est très très difficile à manier. Elle a fait 0-0 à Lyon. Elle gagne à Montpellier. Ça veut dire qu'à l'extérieur, ils sont solides. Et dès qu'il y a une possibilité, s'ils peuvent vous mettre un but, ils vous le mettent. L'année dernière, ils n'étaient pas là, j'avoue, ça s'était très mal passé pour eux. C'était le plus gros score de Bordeaux, ici au 28, depuis que Bordeaux joue au 28, qui est resté ensuite 3 mois sans gagner. On peut imaginer qu'ils n'ont pas envie de revivre ça aussi. Ils s'en souviennent forcément.
Écoutez, j'ai mes problèmes. L'année dernière, c'est loin. C'est loin. Donc, nous, on joue un match dimanche et on va essayer de prendre 3 points. La Casta, ça existe aussi à Nîmes ? Ah, là, elle y est. Là, c'est sûr, que, là, c'est sûr qu'elle y est. Quand je vous parle de corrida, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'ils ont de jouer à 100%. Et le public est totalement avec eux. Quand on est Rolleté, c'est particulier de jouer contre des Gardois. Oui, c'est le derby. C'est le derby. Depuis tout petit, j'y baigne. Donc, même si j'étais loin ces dernières années, je sais que jouer Nîmes, c'est pas une partie de plaisir. Je connais leur valeur. Depuis le début de saison, il y a un seul attaquant qui a débuté tous les matchs, c'est Nicolas Depréville. Mmh. Et pourtant, sur le terrain, on a l'impression qu'il est un peu dans le dur. Qu'est-ce qui vous convainc chez lui au point de l'aligner tous les week-ends ? L'effectif est constitué comme ça. C'est vrai que je peux changer et aider dimanche. C'est une sensation. Quand vous avez un effectif, quand je suis arrivé ici, il faisait partie des joueurs sur lequel j'allais m'appuyer. Donc après, est-ce que la confiance se diminue ? Est-ce que lui doit faire beaucoup plus d'efforts ? Dans quelle position il doit faire beaucoup plus d'efforts ? Bon, on est en train de chercher. Mais dans son profil, est-ce qu'il a un profil particulier qui vous plaît ? J'avais une idée de lui, joueur pouvant faire la profondeur, marquer des buts. Et pour le moment, alors je ne sais pas si le fait d'arriver en fin de contrat le perturbe. En tout cas, bon, il fait partie des 6-7 attaquants qui peuvent débuter la rencontre. Merci. Merci. Merci.
Paul, est-ce que c'est le genre de match où il y a un peu plus de pression que d'habitude? Non, en tout cas, pas de pression négative. La pression, comme tous les matchs, mais il faut qu'elle soit positive et faut qu'elle nous tire vers le haut. C'est un match à domicile. Je pense qu'il faut qu'on soit cette équipe qui soit difficile à jouer, d'autant plus à domicile. J'aimerais que les joueurs viennent à Bordeaux et se disent putain, fais chier quoi, ça va être dur. Ça va être dur de jouer contre cette équipe parce qu'ils sont solidaires, parce qu'ils lâchent rien. Quand il y a un joueur qui est dépassé, il y a l'autre qui est derrière. Et voilà, j'aimerais qu'on soit ça. On l'est par moment, il faut qu'on le devienne vraiment. Et ça passe par un bon état d'esprit, une solidarité qu'on a. Mais faut qu'on accentue un peu cet aspect-là, je pense. C'est quoi, c'est un petit manque de caractère des fois dans certains moments aussi, ou comment tu le vois? Ce manque de régularité Non, de caractère je pense pas, c'est un mot fort quand même. Je pense qu'on est une équipe avec en tout cas des joueurs de caractère. Et il faut qu'on soit une équipe avec du caractère. Et il faut qu'on mette tous notre individualité au service du collectif pour devenir cette équipe. Et pour difficile à jouer, difficile à bouger. Et voilà, faut qu'on mette de l'agressivité positive, bien sûr. Mais moi, je pense que ça doit être notre base. Ça doit être le minimum pour nous, syndical, pour s'appuyer sur le collectif, sur l'état d'esprit. Et c'est ce qu'on doit mettre, je pense, c'est les ingrédients qu'on doit mettre à tous les matchs. Tu étais spectateur à Marseille. Jean-Louis nous disait que ça faisait partie des choses qui avaient un peu manqué, l'état d'esprit, justement. Est-ce que tu l'as constaté toi aussi? En tant que d'ailleurs, t'étais joueur, t'étais pas du spectateur, mais. Bon, c'est que j'ai. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, c'est moi. Non, y a pas de. Apparemment, j'ai pas fait mon match. Non, c'est pas simple. Je vous cache pas que j'ai pas bien dormi en rentrant. En tant que défenseur, prendre 3 buts. Moi, déjà perdre, prendre 3 buts en plus à Marseille. C'est pas un bon mélange et on a vraiment pas fait le match qu'on voulait faire au niveau déjà dès le début on prend un but très rapidement à la 12e minute. Il y a penalty que Ben nous sauve qui peut nous laisser dans le match, qui nous laisse un peu dans le match quand même. Donc voilà, au niveau de l'entame c'était vraiment pas une référence. Et c'est pas ce qu'on voulait faire, c'est pas ce qui avait été mis en place, c'est pas dans le sens dans lequel on voulait aller. Et ça, c'est dommage. Après, il faut se servir de ce genre d'erreurs ou de mauvaises entames pour ne plus les refaire. Faut pas oublier, mais il faut quand même aller de l'avant et continuer parce que les jours qui ont suivi Marseille n'ont pas été très, très cool. Mais il y a un autre match et maintenant, toute cette semaine, on a préparé Nîmes. Pour jouer dimanche contre Nîmes à la maison, donc faut aller de l'avant et continuer d'avancer et bosser. C'est ce qu'on a fait cette semaine et on a eu un bon état d'esprit et on a continué de travailler parce qu'on sait que ça passera par le travail. En l'absence de Laurent, ton rôle change dans l'équipe en termes de leadership, en termes d'expérience, d'exemple? Moi, je change pas, je reste moi-même, que je sois sur le terrain, pas sur le terrain, avec Lolo, sans Lolo, voilà, je continue, je parle beaucoup, c'est ma façon aussi à moi de montrer, d'exister, d'apporter aussi mon expérience à l'équipe. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, je pense. Donner de la voix, qu'on donne tous de la voix, qu'on s'entraide, qu'on le ressente ça. Je trouve que c'est tellement important de. Voilà, un petit encouragement, une petite indication, ça peut aider, ça peut éviter une course, ça peut faire beaucoup de choses, donc c'est vachement positif. Et après, moi, mon attitude à moi, elle ne change pas. Je suis quelqu'un qui lâche pas, je sais d'où je viens, je sais par quel moment je suis passé, par des bons, par des moins bons. Et donc voilà, je m'accroche, je croque à plein dents dans ce qu'on me donne et je donne le meilleur de moi-même. Donc forcément, l'absence de Lolo, c'est quelque chose... de je vais pas dire de compliqué, mais on le ressent forcément. C'est depuis qu'il est arrivé, c'est un joueur qui a apporté sa sérénité, son exemplarité, son professionnalisme, sa qualité de joueur, sa personnalité aussi dans un groupe. On sait qu'il est important
D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est et l'homme qu'il est. Et je pense qu'on doit être, on doit être capable de ne pas dépendre que d'un seul joueur. Oui, forcément, il y a un manque parce que c'est Lolo, c'est le capitaine, il a énormément d'expérience, mais on est avant tout un groupe et on doit exister en tant que groupe. Et l'absence de Lolo, elle ne doit pas nous être préjudiciable. Voilà, on doit pas, je pense pas qu'on doit pas dépendre d'un seul joueur. En l'occurrence, c'est lui aujourd'hui, mais on ne doit pas dépendre de notre joueur. C'est collectif qui doit être mis en avant à chaque fois. Tu parlais de ta situation perso. Qu'est-ce que ça te fait cette saison de redevenir un petit peu joueur professionnel quand même, même si tu l'étais, mais oui. Tu es quand même en marge du groupe pro. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver ces sensations-là? Bref, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. On s'entraîne tous les jours pour être sur le terrain ou pour au moins avoir l'opportunité d'exister. On fait ce métier, moi je fais ce métier parce que j'aime le foot, j'aime jouer, j'aime être sur le terrain, j'aime me donner à fond, j'aime m'accrocher. Et voilà, c'est dur quand on est privé de ça pendant pas mal de mois. Là, je savoure. Je prends, comme j'ai dit, je prends tout ce qu'on me donne. Je profite de chaque instant, chaque entraînement, chaque match. Et je profite parce qu'on est des chanceux, on est des privilégiés de faire ce genre de métier. Et parfois, on est amené à l'oublier. Voilà, faut aussi être conscient qu'on a de la chance. Quand on était gamin, on rêvait de faire ce métier. On a de la chance de le faire, faut pas l'oublier. Mais il y a des gamins, il y a nos gamins qui rêvent de faire ce métier. Donc voilà, des fois, il faut aussi prendre un peu de recul et se dire qu'on a vraiment de la chance. Tout n'est pas rose en ce moment, pas se le cacher non plus. Mais voilà, il faut garder du positif et avoir l'envie de toujours faire mieux et de profiter, prendre du plaisir. À partir du moment où on arrivera à prendre du plaisir tous ensemble, on pourra battre n'importe qui. Tu as vécu ça comme une injustice, la période où tu es écarté un peu, où tu te donnais à fond aux entraînements et où ça n'y avait rien derrière? Une question un peu... une injustice, je sais pas, c'est toujours injuste de... La vie est injuste, d'ailleurs, non? Allez, philosophie, allez, on y va. On a 3 heures. Injuste, je sais pas, je peux pas me permettre de dire que c'est injuste. Pour moi, oui, ça l'était, parce que je me donnais à fond. Je pense que j'aurais mérité être sur le terrain. Voilà, je dis pas que je méritais d'être titulaire, mais je méritais d'avoir ma chance, de montrer ce que je veux réellement sur le terrain. Je pense avoir... démontrer au quotidien que j'étais professionnel, que je me donnais à fond et que j'avais les qualités pour aider l'équipe. Et ça, c'est dommage, c'est une petite défaite pour moi de ne pas avoir réussi à faire changer l'ancien coach là-dessus. Mais voilà, j'ai continué de travailler avec le même état d'esprit et je pense aussi aujourd'hui être récompensé de ça. Tu as pensé lâcher, moi? Non, franchement, non, parce que lâcher quoi? Lâcher, c'est abandonner, c'est arrêter. Vu qu'il était son pipé à un moment donné, je sais pas s'il était pipé ou pas, mais je peux, par respect pour ne serait-ce que pour mon métier et pour le sport, je peux pas, et par respect pour tous les gens qui rêvent de faire ce métier. Comme je viens de l'évoquer, c'est le rêve de tellement de personnes. Je pense qu'ici, il y en a même qui ont rêvé d'être joueur professionnel. Donc, Paul, par exemple, pour ne citer que lui. Mais on ne peut pas. Forcément, c'est difficile. Tous les jours, on se lève, on va à l'entraînement, on se dit qu'on va s'entraîner et sans but, parce qu'on se dit, de toute façon, le week-end, je ne jouerai pas. Donc, j'étais obligé de garder espoir tous les jours. Me dire, peut-être que cette semaine, peut-être que la semaine d'après, bon, je m'accroche, je vais montrer que. Mais on ne peut pas, c'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas dans mon éducation de lâcher. J'ai vécu la saison passée une saison compliquée sportivement. J'ai connu des graves blessures par le passé. Et ce qui m'a tenu, c'est ça, c'est l'envie de le plaisir de jouer au football et de rien lâcher. J'ai aussi la chance d'avoir une famille qui me soutient, qui m'aide et qui a été présente pendant les bons moments. Elle a été là, forcément, c'est facile, mais c'est dans les mauvais moments qu'on est ensemble et qu'on ressent cet amour. Et ça fait du bien. Et par respect pour tout ça, je peux pas. On peut pas lâcher, on peut pas ne serait-ce que se dire je vais arrêter. Pour moi, c'est inconcevable. Tu avais eu une explication, des discussions avec le coach? Pas plus que ça, qu'est-ce que je voulais vous dire?
Non. Très rapidement dans le début de saison, on m'a dit tu joueras 0 minute. Bon, mais quand on commence la saison, on n'a pas fait quasiment un entraînement, on vous dit ça. Dans quel état d'esprit on se met? Il n'y a pas 50 solutions. Soit on lâche, on abandonne. Mais comme ce n'est pas mon tempérament, ben, je me suis dit allez, j'ai zéro chance, ben, à moi de faire changer d'avis et de montrer au quotidien que. Ben, que je peux, je pense l'avoir fait, j'ai pas été récompensé, mais voilà, je pense que sur le tard, en l'occurrence maintenant, je suis récompensé des efforts que j'ai fait et que j'ai fourni toute la saison dernière. Ça te rend plus fort cette expérience justement là actuellement, mentalement, ça t'a forgé? Oui, en plus de toutes les autres épreuves que j'ai traversées, ça aide beaucoup à relativiser. J'avais pris pas mal de recul sur le foot quand j'ai eu mes blessures en 2013. Maintenant, c'est loin derrière moi et je me sens bien. Et cette dernière un peu déconvenue, la saison passée, et ça m'aide à relativiser sur le foot et me dire que, bah, que j'ai de la chance. J'ai de la chance encore d'être sur le terrain, de pouvoir de m'amuser. Ça reste un jeu, on joue au football, hein, de prendre du plaisir et de me donner à fond pour le club. Donc forcément, ça rend plus fort. L'an dernier, tu ne jouais pas, mais tu as été spectateur de cette victoire de Bordeaux contre Nîmes. Large victoire, qui est restée longtemps la seule d'ailleurs au match nul pendant plus de 3 mois. Comment tu les vois aujourd'hui? Ils viennent de prendre une défaite trop lourde contre Paris, ils étaient handicapés, mais ils vont se rappeler forcément de cette triste soirée de l'an dernier. Oui, bah ça va être deux matchs différents. On ne va pas se calquer sur le match de la saison passée, parce qu'il s'est passé beaucoup de temps quand même entre-temps, mais on s'attend à un match difficile. C'est une équipe qui a du caractère, qui est agressive, avec des bonnes individualités. Il va falloir qu'on réponde présent. Et comme je l'ai dit au début, il va falloir qu'on fasse preuve, nous aussi, de solidarité. Il va falloir mettre notre collectif en avant. Et voilà, trouver cette solidité défensive tous ensemble. Et après, exploiter au maximum nos opportunités offensives. On va en avoir. On a des joueurs de talent sur le plan offensif. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence à prendre des points en prévision du programme titanesque qui vous attend ensuite? De toute façon, il faudra jouer contre tout le monde. Donc peut-être que les gros matchs, entre guillemets, tombent un peu tous en même temps. Mais c'est quoi un gros match? Il y a 3 points à la clé. Nîmes, ça va être un gros match. Donc à nous de répondre présent. C'est à domicile. C'est un match important. Il faut prendre des points. Et puis il faut qu'on retrouve Bordeaux. Il faut qu'on retrouve notre jeu. Il faut qu'on retrouve notre solidité défensive. Et puis qu'on mette les ingrédients dans ce match pour sortir de là dimanche soir et se dire voilà, on peut être fiers de nous. Maintenant, on se projette sur le match qui suit. Pour revenir sur ton cas perso, est-ce que du coup, ça s'est bien passé très vite avec Jean-Louis Gasset quand il est arrivé? J'imagine que ça t'a rassuré aussi, que ça a été positif très vite? Oui, c'est rassuré. Ça a pas changé mon attitude et mon investissement au quotidien. Après, ça allait sûrement apporter des changements. Et à moi de continuer. C'est à moi de continuer sur ma lancée, sur mon sérieux, sur mon professionnalisme que j'avais depuis longtemps, et pour montrer que qu'on peut et qu'on peut compter sur moi vraiment. Que je peux apporter vraiment à cette équipe avec mes qualités, avec mes moins bonnes qualités aussi. Mais voilà, je peux apporter à cette équipe, à ce groupe, et c'est à moi de le prouver, que ce soit pendant les matchs, mais que ce soit aussi au quotidien, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit partout, hors du terrain, sur le terrain, partout. Il faut que je montre l'exemple, même pour les jeunes et moins jeunes. Et puis, c'est aussi une façon de montrer qu'il ne faut rien lâcher. Le foot, c'est fait de haut, de bas. Et des fois, quand on est dans une période compliquée, il ne faut pas lâcher. Il faut s'accrocher, il ne faut pas abandonner. Parce que c'est l'histoire aussi de la vie. Et il faut bosser. Il n'y a que ça. Il faut se réfugier dans le travail. Et à un moment donné, ça va nous sourire et on se sera préparé à ça. Quand on a été absent des terrains longtemps comme toi, on a vécu des blessures, est-ce que ça donne envie de prolonger un peu sa carrière? De dire merde, je suis passé à côté d'une saison, une saison et demie, à pas jouer de match. Est-ce que j'ai envie de pousser un peu le curseur plus loin? Ah ben oui, forcément. Je peux jouer le plus longtemps que je pourrai, qu'on me proposera de jouer. En tout cas, je fais le maximum dans mon quotidien, dans mes entraînements, dans mon hygiène de vie pour durer.
J'ai à peine 30 ans et quelques années, donc j'espère avoir encore de belles années devant moi. En tout cas, j'essaie d'être le plus sérieux possible pour déjà au niveau physique être prêt sur le terrain, donner le meilleur, puis après on verra ce qui se passera. Et en tout cas, j'espère que j'ai quelques paires d'années devant moi. Tu es dans ton club formateur, tu t'y imposes enfin, tu as du temps de jeu. Est-ce que c'est là que tu aimerais continuer ensuite, au-delà de 2021? Oui, c'est forcément. Quand je suis revenu en janvier 2018, c'était déjà mon objectif. Alors, il y a eu des aléas, des hauts, des bas, pas simple. Forcément, c'est. Moi, j'ai grandi ici. Hein. Je suis devenu un homme juste dans le bâtiment derrière. Donc forcément, j'ai envie de rendre aussi au club ce qu'il m'a donné. C'est grâce à lui que je suis arrivé professionnel. J'ai la chance d'être là et pourquoi pas continuer l'aventure. En tout cas, moi, c'est mon souhait. C'est un souhait fort. Après, il y a tellement de paramètres. Donc, on verra comment ça va se passer. Après, l'actualité, elle est surtout collective. Elle est surtout à court terme, au match et puis à cette première partie de saison. Merci. Merci, Paul. Merci à vous. Merci.